Salut les fémistes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2, saison numéro 7 avec l'AS Saint-Etienne sur Football Manager 2022. Donc aujourd'hui, très gros épisode, pour ceux qui ont été patients, j'ai mis le bonus tirage au sort de la Ligue des Champions en fin d'épisode. Et du coup, on a tiré la Juventus de Turin, le Red Bull Salzbourg et nos grands copains d'Arsenal qui nous ont mis une branlée l'année dernière en quart de finale de Ligue des Champions. 11-1 en cumulé, je le rappelle. Et du coup, aujourd'hui, on va les affronter en fin d'épisode. Mais avant ça, on va affronter le Paris Saint-Germain qui est actuellement 3ème de Ligue 1 et le LOSC qui est 4ème. Donc deux équipes bien classées en ce début de saison. Nous aussi, on est bien classés car suite à notre nul face à Caen qui était, on va dire une déception, on gagne 4-1 face à Lorient. C'est une équipe qu'on avait beaucoup de mal à battre l'année dernière. On ne les a même pas battus. On a fait un nul et une défaite l'année dernière contre Lorient. Et là, on gagne 4-1. Mirchev, Arad contre son camp et doublé d'Hassan et Tyler Roberts qui marque pour Lorient. Il marque toujours contre nous celui-là. Contre l'OM, on gagne 1-0. Gros match important, but de Molero. Ensuite, contre Reims, on gagne 2-1. But de Torsby, Kouame et Kara pour Reims. Ensuite, on a joué le premier match de Ligue des Champions face au Red Bull Salzbourg à 2-1. Et on marque en fin de match grâce à Torsby et Molero a marqué premier but et Huguenet pour Salzbourg. Et enfin, on gagne 3-1 contre Angers. Mirchev, Schweizer, Zaidi et Gelabert pour Angers. Donc ça s'est plutôt très bien passé en off, hein, que des victoires. Des victoires un peu étriquées, notamment Reims, Salzbourg, c'était juste. Mais le principal, c'est qu'on a gagné. Au classement, on est deuxième, derrière Monaco. Paris a fait nul contre Lorient et a perdu contre Montpellier. Donc ils sont déjà en retard. Et ça se trouve, ça ne sera pas nos concurrents cette année. Cette saison, ça sera l'AS Monaco, peut-être, qui va peut-être rafler le titre cette saison avec Bruno Genesio aux commandes. En même temps, ils ont dépensé pas mal. Nongrois, Balog, je ne connais pas. Alejandro Pozzo et Deregen. Mais on voit qu'ils ont une grosse équipe, hein. Léo, qui est revenu à Monaco, qui est exceptionnel. Voilà. Dele Alli, Golovin, Palacios, Tchouaméni, Diaby, Moussa Diaby, Porro, Ampadu, Sanchez, Zinchenko et Juan Musso. C'est une très belle équipe, limite plus belle que l'équipe que Paris. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais bon, il y a Neymar, bon. Il est toujours là, mais qui a 35 ans maintenant dans ma game, donc il va commencer à tout doucement perdre des stats. Greenwood, Félix, Musiala, Rhin, Kakré, Badiashi, Marquinhos, Hakimi et Mulder, Donnarumma. Et sinon, au niveau du mercato qui s'est terminé, il n'y a pas eu d'arrivée, il n'y a pas eu de départ, hormis le prêt de Emmanuel Diomandé que je cherchais à prêter. Absolument, il est parti dans un club où je pense qu'il progressera à l'OGC Nice qui est descendu en Ligue 2, cette saison, là, qui est descendu du coup dans ma game. Et ça sera le défenseur gauche titulaire. Donc ça sera très bien pour lui pour progresser dans un bon club avec de bonnes infrastructures en Ligue 2 qui reste une bonne division. Voilà, j'ai fait le tour. Du coup, on va jouer contre le Paris Saint-Germain tout de suite. Aussi, j'ai pas précisé, mais j'ai changé le rôle du milieu offensif pour cette saison. Avant, c'était un 9,5 en attaque. Maintenant, je l'ai passé en meneur de jeu avancé attaque. Je trouvais que le milieu offensif était mal exploité depuis que Kazri est parti. C'était pas terrible les saisons de mes MOC, je trouve. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, Molero fait une très bon début de saison. 3 passes des 1 but en 6 matchs. Une forme du match. Donc, pourquoi pas. On va laisser ça comme ça. Et puis sinon, c'est parti. Roldan, Dest, Blanchet, qui, je crois, oui, a débuté sa saison et qui a d'ailleurs fait très bonne note. Il est revenu de blessure. Donc là, l'hécatombe s'est calmé. Ayus Moro qui revient de blessure et qui a besoin d'un peu de temps de jeu. Dizazi, Deljanin, la défense type. Hein. Zaidi, Torsby, Simanski, Molero, Schweizer et Kouame. C'est l'équipe type pour moi pour l'instant. Schweizer aussi qui fait un très bon début de saison. Mais attention, derrière, il y a beaucoup de concurrence sur le banc. Et avant de commencer le match, cette vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra, site dédié à Football Manager 2022, qui concède plusieurs rubriques concernant le jeu, que ce soit en termes de tactique, en termes de wonder qui est trouvé sur le jeu, en termes de défis à réaliser sur FM22. Donc n'hésitez pas à rejoindre son site, à nous rejoindre en tant que Ultra aussi sur notre Discord que l'on gère ensemble. Je laisse tous les liens, bien évidemment, dans la description. Et aussi, j'ai vu qu'en commentaire, on m'a dit que le mercato offensivement est très intéressant, mais que défensivement, ça allait être un peu juste. Je suis plutôt d'accord, mais peut-être plus dans le sens en défense centrale, parce que je trouve que Dest, Deljanin, en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt peut-être la défense centrale où ça peut poser question. Ça passe ou ça casse. On verra ce que ça va donner déjà pendant 6 mois. Et après, on avisera au mercato hivernal s'il faut. Joe Félix, Neymar, Greenwood, Musiala, Rhin, Kakré, Hakimi, Yashin, Marquinhos, Mulder, Donnarumma. J'ai l'impression que c'est l'équipe type. Il y a Nkunku sur le banc, il y a Nuno Mendes, Ansu Fati, Lavalle, Ndidi. J'ai pas montré les mercato des autres équipes de Ligue 1. C'est vrai que je pourrais le faire, mais je trouve que c'est trop long à présenter. Je préfère limite montrer les matchs et découvrir les équipes au fur et à mesure comme ça, si jamais les joueurs nous parlent un petit peu. Je préfère faire ça. Sinon, on peut aller voir un petit peu le PSG, hein, vu que ça reste quand même PSG. Ouais, ils ont récupéré Nkunku, ouais, bien sûr. 36 millions. Je crois que dans la partie là, à moins que je confonde avec celui de l'OM, ils ont récupéré aussi Yacine Adli. Ouais, voilà, c'était la saison là. Il y a deux saisons, ils ont récupéré Adli.
qui maintenant est reparti à Newcastle. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, ils ont fait une petite pub à lui, mais je vois pas trop intérêt. Cacré, voilà, formé à Lyon, qui est à l'AC Milan, qui revient en France, PSG. Guillermo Pérez, qui est un agent de saison, qui je pense doit avoir un potentiel pas mal. Et d'ailleurs, ça vend Adli du coup, et en fait, ils sont pas trop perdus de joueurs, et ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, il faut un début de saison un peu mitigé pour du PSG, donc on verra bien. Attention, corner pour nous, pourquoi pas Timanski, Kwame, oh la double arrêt. Le double arrêt de Donnarumma, ça commence déjà. Dest, Timanski qui se retourne, qui attaque sur son flanc droit. La belle passe pour Kwame, arrêt de Donnarumma. Je sais pas pourquoi, je sens que Donnarumma va nous dégoûter dans ce match. On verra bien, mais là on vendange trop de cases déjà. Hakimi sort sur blessure. Bon, c'est toujours un atout en moins pour eux. Bon, vengeance derrière, Timanski qui sort sur blessure, on va mettre Raul Moreau. Alors pas trop au change, je pense. Allez, il y a des joueurs qui font des bons matchs, Deljanin, Kwame qui ont 7, Blanchet 6-4. Voilà. On va voir ce qu'il vaut contre des grosses équipes, des matchs en jeu. Marquinhos. Cray, Marquinhos, Rein. Neymar qui s'extirpe du marquage de Dizazi, il arrête de Rodal. Ça c'est bien. C'est bien parce que ça, Green, il l'aurait pas arrêté, je pense. Il était plus décisif sur la fin et De Vil manquait trop de qualité. Oh là, c'est le billard. 3-0 pour Lyon contre Monaco. Le leader qui perd, si on fait nul, on passerait devant. On passerait devant Monaco. Je pense qu'à 3-0, ils vont pas revenir au score. Ça m'étonnerait fortement. Kwame. Oh putain. À Kwame, ça fait deux face-à-face que tu loupes. Mais j'ai très hâte de voir. J'ai envie de voir la note qu'a. Oh la Blanchet, dommage. J'ai envie de voir la note qu'a Donnarumma parce que là. Ouais, il a 7-7, putain, c'est l'homme du match pour l'instant. Putain, on aurait mérité au moins un but au vu des exigés. Mais. En fait, faut continuer comme ça et Donnarumma va se craquer. On espère. Neymar. Mendes. Musiala. Mendes. Musiala. Dans la surface. 1. Cray, Greenwood. Cray, Musiala. L'envelopper au-dessus. Attention, Reims sur corner. Zaïdi qui dégage. Allez, Mirchev, t'es frais. L'action serait pour nous, le contre. Ah putain, choisir. Qui manque de jus. Mirchev, Greenwood, Ndidi, le bon appel de Musiala. Non, Blanchet, voilà, bloc. En retrait, Ndidi. Badiachil. Mendes, Ndidi, Ansu Fati, attention, l'appel voilà, du Greenwood, et le but. Bon. Voilà. Mais c'était sûr en fait. Bon, bah 80e, on se prend un putain de but de Greenwood. Et voilà, on perd 0, un 19-0, 1-1, bon. Un nul n'aurait pas été illogique au vu des occasions, on n'a rien montré en deuxième mi-temps, mais on aurait dû marquer ce but en première mi-temps. Bon, bah, du coup, on reste deuxième et c'est Paris qui passe devant. Fracture du tibia pour Timanski. Putain. Bon, bah, Timanski, out jusqu'au mercato hivernal. Voire plus. Je vois jusqu'à février. Putain. Ouais, jusqu'à début février. Fin janvier, début février. La mauvaise nouvelle, la défaite contre Paris, qu'on ne mérite pas. Si on regarde les notes, c'est Donnarumma. Homme du match. Ça me gonfle parce que ça m'arrive plusieurs fois. Dans des gros matchs comme ça, c'est toujours le gardien qui permet à son équipe de pas prendre une tollée. Bon bref. Du coup, on se retrouve pour le match contre le LOSC. Donc on va partir avec cette composition d'équipe. J'ai fait un petit peu tourner parce qu'il y a certains joueurs qui sont fatigués. Rodelin dans les cages, Sambia à droite, Dest est fatigué. Blanchet, Zazi, ça reste. J'ai engueulé Blanchet, je l'ai mis une semaine d'avance parce qu'il a vraiment pas été bon contre Paris. Deljanin, Youssef à la place de Zaidi car il est aussi fatigué et il sera même pas sur feuille de match. Torsby toujours là. Moro à droite parce que bah l'autre s'est blessé, Timanski. Molero toujours là. Hassan à gauche parce que Chouazer est fatigué et Kwame en pointe. Pourquoi pas. On va au moins essayer de chercher une victoire en championnat pour cet épisode. Et le LOSC en face, ils ont Alvarez, Nketiah. Putain, l'attaque Nketiah-Alvarez, c'est intéressant. Murotan, Yazidche, Bellegarde, Massengo. Putain, ils ont aussi Alderet, Bianda. Baluta, Celic et Sivera. En vrai, je vais regarder, mais ils ont fait un super mercato. Nketiah pour 2 millions. What? Ah, il a pas trop joué non plus pendant la carrière. Hein. À part là et là. Ah, il est pas super en fait. Et Massengo, c'est pas mal. C'est pas mal ça. En vrai, je comprends pourquoi ils sont haut classés. Yvan Masson qui était revendu à. Ouais, c'est. Ouais. On avait vendu à Crystal Palace, passé à Lille et là il est à Lyon maintenant. Il se balade de ville en ville française. Bref,
Faut se méfier de ce LOSC, mais on est capable du meilleur comme du pire. Tout dépend de ce que vaudra le goal en face, si on peut marquer des buts. À 39e minute, il s'est strictement rien passé pendant 40 minutes dans le match. C'est un match nul à chier, on va dire. Du coup, c'est la première action du match. J'espère qu'elle est pour nous, qu'on va le mettre dedans, Hassan. Parce que là, mon public se fait chier. Torsby, au-dessus. Bon. Sivera, là, ça enchaîne les occasions. Et là, par contre, l'occasion est pour eux. Et par contre, là, ça va être dedans. Murotan, il a marqué contre nous les dernières. C'est cadré, mais c'est facile pour Roldan. Bon. Alors, bonne nouvelle, on est solide défensivement, vu les notes, 7, 6, 9, bon. Déception au niveau de l'attaque, malgré un très bon match d'Hassan. Et Kwame qui est toujours inefficace. Ah, et déjà un qui se blesse. Voyons, que des bonnes nouvelles dans cet épisode. On marque pas, on perd un joueur important sur fracture du tibia. Daljana, notre meilleur latéral gauche qui sort blessé. Putain, que des bonnes nouvelles. Bon, action, allez, au moins un but, ce serait sympa. Youssef, Scheiser, Semenzato. Oh putain. Oh, c'est fade. Hein. Pour l'instant, cet épisode, c'est fade. Hein. Contre Arsenal, ça pue du cul. Hein. Vous sentez la douille arriver? Scheiser. Dest, Youssef, Torsby. Hassan, la belle passe pour Kwame. Ah, enfin, ah, par contre, est-ce qu'il y a hors-jeu? Bon, une fois que Kwame remporte un face-à-face. Ah, il a accordé. Merci, putain. Enfin, 1-0 pour nous. Belle passe à Hassan. Il fait un très bon début de saison. 17 tirs à 9, hein, y a pas à chier, on mérite largement cette victoire. Très bien les gars, pour la course au titre, c'est très très important de remporter ce genre de match contre des équipes de haut de tableau comme ça. On repasse premier. Paris fait 2-2 contre Angers. La preuve que Paris c'est loin d'être exceptionnel là dans la game. Ils font 2-2 contre Angers, 2 buts de Enzo Millot. On met à Monaco. Ah déjà, hein, c'est 3-4 semaines. Ah. Odé est revenu de blessure, mais voilà, ça lui fera du temps de jeu à Aude, on va dire. Il aura sa chance. Voilà, du coup, on se retrouve du coup pour le dernier match de cet épisode et face à Arsenal. Le match, on va dire de la peur. Est-ce qu'on a fait des progrès ou pas? Est-ce qu'on se prendra moins de buts que l'année dernière? On verra ça. Et Scheiser qui affiche des progrès encourageants. Il fait que monter en ses stats. C'est très très bien. Bien pour Dan. Bon, ça va. Ah, nouveau contrat. Je ne savais plus quand mon contrat s'arrêtait, mais en tout cas, il veut me prolonger. Forcément, vu le taf que je fais, ça ne m'étonne même pas. Et on va partir avec cette composition d'équipe. Rodal, Aude, du coup, Dizazi, Blanchet, Dest, qui revient dans le 11. Et je l'ai bien fait reposer au dernier match. Zaidi, Torsby. Alors, Torsby, il m'impressionne. Il enchaîne les matchs. Sur les deux derniers matchs de championnat, je ne l'ai même pas sorti une seule fois. Et le mec, il est en forme. Il est prêt à jouer. Il est exceptionnel, ce jeu. Bon, bah, Zaidi, je le mets parce qu'il a fait de meilleures prestations au niveau des notes que Youssef. Moro à droite, je leur laisse encore une chance. Hassan à gauche, je mets Scheiser sur le banc pour l'instant, il a déjà joué pas mal de matchs. Sa première année dans le groupe professionnel, on va aller un peu moule avec. Mais c'est surtout parce qu'Hassan fait un très très bon début de saison, 2 buts, 2 passes D. Il fait surtout l'excellente passe pour Kwame sur le but contre Lille. Donc voilà, et Kwame en pointe bien sûr. Ça ne bouge pas. Et je pense que je ferai tourner l'équipe contre Nantes qui sont 18e, donc dernier de Ligue 1. Prions mes amis pour qu'on ne s'en prête pas une branlée. Comme l'année dernière, Vlahovic, Martinelli, Odegaard, Leroy Sané, Illich, Tiemans, Saka, Gabriel, Varit, Tomiyasu et Ramsdal. C'est pratiquement la même équipe que l'année dernière, peut-être. Et ils jouent en 4-2-3-1 comme nous. Ok. Putain, l'attaque qu'elle envoie. Donc, Pricky, avec Guillaumont. Je crois que j'ai déjà montré dans les... Non, je ne l'avais pas montré. J'avais regardé hors caméra, je crois. Ils ont pris cet Espagnol, 58 millions d'euros, qui vient de Valence, formé à Valence, et puis voilà. Je connaissais pas du tout, donc maintenant je vois qui c'est. Erscharen, là le Belge, très très fort, gros potentiel dans FM. Et Diogo Rota, qui a 30 ans, reste quand même pas mal. Bon, il a pas beaucoup joué forcément toutes ces saisons, mais à Porto, il s'est plutôt très très bien relancé au Portugal. Et du coup, Arsenal lâche 31 millions, mais ça pourrait être dans la rotation. Ils ont du Smith Rowe à Barcelone. Sabitzer, Benfica, c'est tout ce qu'ils perdent. Donc au final, j'ai l'impression que Arsenal, c'est aussi fort que l'année dernière, voire même un peu plus fort. Allez, Dest, Molero. Dest, le 1-2. Allez, c'est bien joué, Molero. Non, c'est dégagé. Blanchet, Torsby, Dizazi, Hassan. Allez, Hassan, t'es en forme. Tourne-toi, Hassan, allez, le centre. Non, c'est contraire. L'action sera même pour eux, j'ai l'impression. Sané, Vlahovic, Tomiyasu, le japonais, le garde, Timmans. White, Gabriel, Illich, de garde, qui accélère, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, à côté. Je pense qu'Arsenal finira premier de son groupe assez facilement et la deuxième place va jouer entre nous
et la Juve. Après, si on finit troisième, ça va être embêtant. Mais d'un côté, on va jouer l'Europa League. Et l'Europa League, c'est une compétition, je pense, qui est à notre portée. Et pourquoi pas la gagner avec nous, avec Saint-Etienne. De garde dedans. Tu peux rien faire. Donc ouais, l'Europa League, ça peut être une compétition intéressante à jouer et surtout à gagner. Et enfin, gagner une compétition européenne avec la Saint-Etienne, même si c'est pas LDC, dans le palmarès, c'est toujours ça de prix. Et bon, l'année dernière, on fait quart de finale des champions. Là, si on fait troisième de groupe, bon, voilà, ça fait comme une régression. Mais c'est comme ça. Martinelli, par contre, il est hors-jeu. Je suis désolé, mais là, Martinelli, il est hors-jeu. La Dest, moi, je le prends pour l'expérience et il fait des matchs de merde. Nope. Ah, il a accordé. Bon, ok, bon, 2-0. C'est reparti sur le même base que l'année dernière, c'est très bien. On va avoir le but, hein. Pour moi, il est hors-jeu, mais bon. Ça se construit bien, ok. Ah, il est hors-jeu, là. Hors-jeu, litigieux, tu m'étonnes. Il y a largement hors-jeu. Ouais. Ouais. Je sais pas. Zizazi. Je ne touche pas à la tactique, hein. Pour moi, la tactique devrait fonctionner. Enfin, c'est. Peut-être pas contre Arsenal, mais bon. J'y touche pas, parce que ça, après, ça pourrait être pire. Quoi, mais. Au-dessus. On est à domicile, pour moi, être en positif en mentalité contre Arsenal à ce moment de la partie. C'est pas illogique, je trouve. Blanchet, Dest, Torsby, Molero. Ça joue une touche, ça joue plutôt rapidement. Il y a du rythme, c'est bien. Vous avez dit la bonne passe pour Hassan. Après, Arsenal marque aussi sur deux actions. Enfin, sur trois actions, il marque deux buts. Dans un rejeu, franchement, vraiment litigieux. Dest. Moro, la belle passe pour les... Voilà. Là, voilà, me chie pas hors-jeu. Par contre, il n'y a jamais hors-jeu. Putain, cette VAR, elle me casse les couilles dans FM. Ah là, il est accordé. Merci. Allez, 2-1. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh non, mais non. Blanchet. Oh là là. De garde. Ouais, mais si on prend des buts sur corner, je peux rien faire. 46e minute, en plus, il n'y a plus qu'une minute à tenir. Bon, bah 3-1. Enfin, j'aurais 9 tirs et 7 tirs cadrés pour 3 buts, le jour où j'aurai ça, franchement, appelez-moi. Ouais, bah super, on perd 3-1. Roll Moreau. Ah bah voilà. Kylian Blanchet. La recrue. Qui marque un but de la tête. Très bien ça. Alors, un petit but de Dizazi de la tête, on en parle plus. 3-2. On n'est pas mort. Attention, de garde. Voilà, passe pour Sané. La combinaison à 2. Ah mais non, mais suivez. Putain, heureusement qu'il a une finition de merde. Ah, il était hors jeu. Oh, il était hors jeu. Je vais sortir Torsby parce que je pense qu'il doit tirer à la langue. Je vais faire un trait d'Alessandro. Je pense que je vais faire ça. White, Gabriel, White, Tielemans, Tomiyasu, Sané, Vlahovic, Sané, bien. On est mieux que l'année dernière quand même. C'est mieux. Mais on perd toujours contre cette équipe. Et au match retour à l'Imel Stadium, ça va être autre chose aussi. Sané. Ça n'est pas possible. Oh là là. Et Death va se manger une amende parce que 6-1, c'est pas possible. C'est pas le but que je lui ai donné, c'est pas de faire des matchs de merde, c'est d'apporter son expérience en Europe. Et là, au contraire, il fait pire que son bien. 16 tirs à 8, mais c'est. Oh, pire que 3-2 chez nous. Mais c'est mieux que l'année dernière. Je vois une progression quand même par rapport au match l'année dernière où on a perdu à domicile contre eux. Mais putain, Arsenal, c'est une grosse équipe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça reste du solide. Bon, bah, bilan l'épisode assez mitigé. On perd contre Paris alors qu'on mérite au moins le nul. On gagne contre Lille à la fin, mais on gagne tout de même. Et on reste premier. On passe premier par contre dans l'épisode en Ligue 1. Mais par contre, le tableau c'est vachement resserré. Il y a l'AS Monaco, même nombre de points que nous. Il y a Paris, il y a 2 points de nous. Et il y a Lyon qui suit derrière avec Strasbourg, l'OM et Rennes. Rennes qui revient bien, qui sont montés de Ligue 2. C'est plutôt bien, Rennes. Voilà, Arsenal, je m'y attendais, mais c'était une victoire dans la défaite, si j'ai envie de dire. 3-2, ça va. Je trouve que c'est une grosse équipe dans ma game. Je sais pas ce que vous en pensez de la team qu'ils ont. Mais je la trouve très très forte. Et Milic, hein, regardez-moi ce Serbe qui vient dans le jeu de base de l'AS Vérone. Exceptionnel. Hein. Enfin, exceptionnel, très très bon. Tielemans, Tomiyasu, peut-être le point faible de cette équipe. Et encore, très complet. White, Gabriel, Saka, Garçané, Odegaard, Martini, Vlahovic. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont Vlahovic. Je pense pas qu'ils ont gagné la Ligue des Champions dans cette game, mais voilà. Si on regarde un petit peu la première ligue, les saisons qu'ils ont fait. Première saison, ils finissent deuxième. Deuxième saison, troisième. Quatrième. Bon, ça, ils connaissent bien la quatrième place, même IRL. Troisième. Et là, pour l'instant, ils sont dixième. Bon, ils ont très mal débuté la saison. Et regardez qui est le tenant du titre de la Coupe des Champions. Voilà. Ça ne m'étonne même pas. C'est vrai que je vous montre jamais les gagnants de Ligue des Champions ou des autres championnats parce que bon, j'ai pas trouvé de prendre trop de temps là-dessus. Mais l'année dernière, voilà, 4-1
en finale contre le Borussia Dortmund, gagné par Arsenal, sachant que bah là, ils m'ont éliminé 11-1 en cumulé, oui, ils m'ont éliminé 11-1, mais ils ont mis 6-6 derrière. Voilà, on a perdu contre les gagnants de la Ligue des Champions. L'année d'avant, quand on avait fait 4-4 contre le Real, c'est Chelsea qui gagne contre le Real Madrid. Donc à chaque fois, on tombe contre le seul fini, soit contre le gagnant. L'année d'avant, on n'avait pas passé les poules, et l'année d'avant non plus. Donc c'est à partir de là. Donc vous voyez qu'on tombe sur le tenant du titre, on est tombé sur le tenant du titre. Enfin voilà, bref. Du coup, je vais avancer en off et je pense qu'on va se trouver pour la Juve. Je pense qu'on va faire Rennes, Monaco, Juve. Voilà, beau petit programme. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la game, des recrues que j'avais fait, de l'équipe, de la tactique, de l'épisode, des matchs. N'hésitez pas à comparer vos games si vous faites avec Saint-Etienne, dire quel joueur vous avez, quel dispositif, si vous arrivez mieux que moi, etc. De toute façon, je vous lis. Et puis n'hésitez pas à manifester votre soutien via les commentaires, via les pouces bleus. Ça m'aide énormément les pouces bleus, vous pouvez pas savoir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça aussi, ça m'aide énormément à agrandir et évoluer cette communauté FM et football en général. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Sur Twitter, des fois, je poste des screens que je fais en off sur la game. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, moi je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout, bon jeu à tous.